Salut à tous, c'est David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on regarde ça, un petit Tiny Whoop de chez Newbie Drone. On regarde un petit peu ça de plus près et puis après on se fait un petit bol. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte d'Acrobi 65 BL V4. Alors hop, on a notre petite boîte avec le petit logo TBS pour nous dire qu'il y a un Crossfire à l'intérieur. Hop, la boîte est simple, il n'y a pas grand chose dedans. Il y a la petite machine, deux petites lipos avec le connecteur, tout ce qu'il y a de plus standard hein, que vous trouvez sur toutes les lipos de cette taille-là. Donc ce qui est livré avec, alors je pense que c'est livré avec, hein, moi ils me les ont mis dedans en tout cas, c'est des Nitro Nectar de chez Newbie Drone directement, en HV, 300 mAh. Ça c'est de la, normalement c'est de la bonne lipo qu'on voit bien. On va voir ça, de toute façon les lipos 1S comme ça, hein, c'est du consommable évidemment, donc ça tient pas très très longtemps. Mais en tout cas celle-ci, normalement on voit pas mal. Alors, la petite machine en elle-même, on a pas mal de choses d'abord. D'abord, c'est un 65 mm et son poids total fait 24,8 g sans lipo. On a ensuite une FC donc avec Crossfire dedans. Donc ça, c'est très très chouette et c'est pas du SPI. Hein. C'est branché en serial, donc ça veut dire qu'on voilà, on a accès à un Crossfire tout à fait normal. Simplement, il est à l'intérieur de la FC et ça génère pas de poids ou de composants séparés en plus. Les moteurs, ils ont un double roulement, c'est la nouveauté de ces moteurs-là. Très franchement, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose, mais on verra ça en vol. C'est du 0802 27000 kV, donc leur ancien modèle était un peu plus bas en kV, donc normalement ça doit envoyer pas mal ce petit truc-là. Voilà, c'est vraiment tout mimi. Ce que vous voyez là derrière, ici, le petit truc en métal, c'est ce qui permet de refroidir le VTX. Donc le VTX monte jusqu'à 400 mW, mais ils expliquent qu'il y a un smart control et que quand ça chauffe trop pour ne pas abîmer l'électronique, ça baisse automatiquement la puissance du VTX. À voir en l'air ce que ça donne. Les props, c'est du 31 mm. La caméra, alors jusqu'à présent, les caméras Newbie Drone que j'ai essayé en analogique étaient vraiment super. Donc on va voir, vous verrez ça dans les DVR, mais a priori, si c'est la même qualité, c'est vraiment très très satisfaisant. On a donc cette FC qui fait ESC aussi, c'est une all-in-one. Donc on a dit, on a le TBS Crossfire dedans. Il y a évidemment l'ESC dedans. L'ESC, c'est un 12A qui a été flashé en BlueJay 48 Hz. Kilohertz, je sais plus, en 48 en tout cas, je crois que c'est kilohertz, je suis plus très sûr. Ce qui devrait donner pas mal d'autonomie en plus sur ces petites machines là, quand on monte cette fréquence là, on obtient du temps de vol en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Ils disent que c'est compatible 1S, 2S, mais qu'en 2S il vaut mieux limiter le throttle, enfin les gaz à 50%. C'est un peu con du coup, hein. On a le double de tension, mais il faut limiter les gaz à 50%. J'imagine que c'est parce que c'est tuné pour du 1S et qu'avec un petit tune de S, ça devrait pas mal marcher aussi. Vous avez vu que le Crossfire, on a une mini mortalité qui est là, qui est montée plutôt de façon intelligente et une petite linéaire pour l'analogique. Voilà, super petite bestiole. Moi j'avais essayé l'ancienne version que j'avais adorée. Et on va aller tester tout ça. Je vais essayer de faire un petit peu de vol en intérieur, en extérieur, et vous donner un petit peu mon sentiment là-dessus. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu de plus près la machine, quelques petites réflexions. Je l'ai volé pas mal en intérieur, à la maison. Je vous mets quelques petits DVR. Ça vole ultra bien en intérieur. C'est très très agréable à voler. Ça a la patate et en même temps c'est smooth. On peut vraiment s'amuser en intérieur. Je voulais l'essayer en extérieur justement pour pouvoir comparer un petit peu. Là il y a un poil de vent. On va voir si ça vibre dans tous les sens ou si c'est utilisable aussi en intérieur. C'est un 65, hein, donc c'est évidemment fait pour l'intérieur. Mais voilà, ça me paraissait
c'est intéressant de regarder quand même. Une petite chose qui est vraiment importante, j'ai tenté à la maison de sortir par la fenêtre parce que je me suis dit crossfire, pas de problème. Et là, belle déception, j'ai fait un fail-safe juste en sortant par la fenêtre, enfin plusieurs micro fail-safe jusqu'au fail-safe complet. Donc ça, c'est un petit peu chiant parce que ce qui m'intéressait là-dessus, c'était surtout... le côté crossfire sur un Tiny Whoop qui me permet de ne pas avoir 8000 adaptateurs enfin de TX sur ma machine et puis galérer avec 15000 profils, donc juste utiliser la même chose que d'hab. Donc ça m'a un peu fait chier. J'ai vraiment le sentiment que ça vient de l'antenne qu'ils ont mis dessus. Ils ont mis une mini mortalité et la portée de ces trucs là c'est vraiment pas terrible. Donc ce que je vous conseillerais plutôt si vous partez sur un truc comme ça, c'est de mettre l'antenne filaire du crossfire et vous aurez a priori plus trop de problèmes de réception et tout ça. Ah ben dis donc, je m'aperçois qu'il a bien mangé dans le crash. On va voir si ça vole quand même correctement, mais je vois que la frame a quand même pas mal plié. J'avais pas vu ça à la maison, un petit peu, je sais pas si vous voyez ici, mais on a ce côté là qui est un peu plus bas. Bon, il est tombé de, bah, vous l'avez vu sur les DVR, mais il est tombé d'au moins 3 étages quoi. Allez, on va se tester ça tout de suite en extérieur pour voir un petit peu comment ça vole. Donc, pour l'occasion, évidemment, j'ai ressorti les lunettes analogiques. Hop là, alors je dois avouer que c'est pas le grand confort. Je vole pas très souvent là-dedans, ça me semble très très sombre, je vais juste recaler un petit peu, je sais plus comment on fait, comme ça, c'est vraiment très 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 sombre, pourtant à l'intérieur, ça allait plutôt pas mal. Voilà, allez, armement. Je suis étonné, ça vibre pas dans tous les sens. Ah, c'est de l'analogique, hein, on est d'accord, hein. Non, ben, je suis plutôt épaté parce que très souvent, ce genre de petite machine... Ah, ben, j'ai encore des alertes RX Lost. Et pourtant, je suis à quoi? Je suis à 10 mètres devant, quoi. Donc, est-ce que c'est que l'antenne? Je ne sais pas. Je vous ferai un retour. J'essaierai avec une autre antenne pour voir. Et puis, je vous ferai un retour. Par contre, en termes de vol, ça vole quasiment aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Donc, ça, c'est cool parce que... Quand on démarre, on cherche souvent une petite machine avec laquelle on puisse faire les deux. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez qu'on peut... alors, on ne peut pas envoyer du gros freestyle très lourd, quoique certains y arriveront. Mais vous voyez que ça... Voilà, j'ai aucun problème de reprise quand je fais ce genre de move. Ouais, j'ai même pas de propouage, rien du tout. Et pourtant, j'ai un duct qui est complètement éclaté. Franchement, c'est très agréable. On va voir un petit peu le... Si j'ai encore du RX Lost là. Bon, pour l'instant ça va. Je suis vraiment juste à côté en même temps. C'est vraiment emmerdant cette histoire de RX. Je vous ai dit, je vous ferai un petit retour avec une antenne filaire, voir comment ça le fait. Mais en intérieur, on n'a pas trop ce problème là. Hein. C'est vraiment que j'ai. Voilà, en intérieur, on a souvent un ou deux murs simplement à passer, en appart en tout cas. Donc on n'a pas spécialement de problème. Je suis étonné par contre de la façon dont ça vole en extérieur. Ah, j'ai manqué un petit peu de reprise ici. Hop là. J'espère que l'autofocus marche bien parce que là j'ai pas trop le choix. Allez, on va essayer de finir la lipo. Du coup j'aurais pas. Ah si, j'aurais un temps de vol complet. Là, ah bah mince, je crois que je suis en. Voilà, je suis passé comme un abruti en accro. Voilà, en stab, pardon. Je suis repassé en accro, c'est beaucoup plus cool. Low batterie, ok. Alors, c'est des batteries 1S, c'est des batteries qui sont les nectars qui sont conseillées par New Bidrone avec cette machine. Donc, les batteries 1S, moi je les descends bas. Hein. Là, voilà, 3,15. Obligé de poser quand même. Voilà, j'ai fait 2 minutes 28 de vol, 2 minutes 30 quoi. Petite conclusion sur ce Tiny Whoop, il vole vraiment très très bien, il est très bien tuné.
autant vous avez vu en intérieur qu'en extérieur, ça vole hyper précis, c'est très très agréable. Gros point noir, pour moi, c'est cette histoire d'antenne, ça limite vraiment la distance à laquelle on peut aller. Donc, encore une fois, je vous tiendrai au courant sur l'article du blog, savoir si ça s'arrange avec une antenne filaire, mais je pense très franchement que ça sera beaucoup beaucoup mieux avec une antenne filaire. Sinon, c'est vraiment une bonne petite machine. En intérieur, c'est du bonheur. En extérieur, il y a un poil de vent. Ici, ça ne souffle pas de fou, hein, mais ça bouge un petit peu. Ça vole encore très bien, ce qui est plutôt étonnant parce que voilà, généralement, les 65, 75 jusqu'à 85, en extérieur, ça, dès qu'il y a un petit peu de vent, ça a tendance à vraiment mal voler. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir ce petit point noir de RX, mais en tout cas, je suis plutôt content de cette petite machine. Alors, le temps de vol n'est pas foufou, hein. 2 minutes 30, c'est pas exceptionnel. Bon, enfin bon. Voilà, pour de l'intérieur en tout cas, avec une petite dizaine de lipos, c'est une très très bonne machine si vous n'avez pas 800 mètres carrés d'intérieur. En intérieur, normalement, vous ne choperez pas de Felsef. En extérieur, je vous inviterai plutôt à passer sur une antenne filaire pour pouvoir contrer ce problème. D'avoir un RX Crossfire à l'intérieur de la FC, c'est quand même vachement, vachement cool. Voilà, c'était mon petit retour sur ce Whoop Newbie Drone qui font toujours de très, très bons Whoop. Hein. C'est vraiment au moins au niveau du Mobule A6 qu'on conseille souvent chez Culture. Donc voilà quoi. C'était David pour Culture FPV. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao.